Bienvenue pour un échange de pratiques où comment se passent les dictées en autonomie dans ma classe avec des tablettes. Alors, je vous présenterai dans un premier temps le résultat final dans ma classe, à quoi ça peut ressembler. Ensuite, le pourquoi ou l'origine de ce projet. Et puis, de quoi avons-nous besoin pour effectuer des dictées en autonomie. Et enfin, quelles sont les différentes étapes de la création de dictées en autonomie. Vous voici donc dans ma classe pendant la dictée. Donc tous ceux qui ont un casque blanc donc sur les oreilles sont en dictée. Les autres font un travail aussi en autonomie d'orthographe puisque c'est le thème de la séance. Donc orthographe dans leur manuel et leur cahier d'exercice ou ici ils sont en rédaction. Donc revenons-en à ceux qui sont en dictée. Vous voyez une petite élève au premier qui est entourée en jaune. Donc elle a son casque pour d'abord s'isoler, bien écouter la dictée et ne pas gêner les autres pendant cette écoute. L'iPad évidemment est relié au casque et puis elle a sa feuille de dictée. Là, elle a dû faire pause puisqu'apparemment elle a un effaceur dans la main et elle doit se corriger. Donc ma classe est coupée en deux à ce moment-là. Une partie des élèves font la dictée et l'autre partie font des exercices d'autonomie en orthographe. Une petite parenthèse sur le TBI qui en général est éteint pendant cette séance-là. Là, il est resté allumé. Je pense que j'ai voulu simplement leur montrer l'image de la dictée. Une autre image, une autre photo de mes élèves pendant la dictée. Donc là, c'était d'autres élèves une autre année. Et cette année-là, en fait, ils aimaient bien mettre des classeurs pour s'isoler les uns les autres pendant qu'ils étaient en dictée. Alors s'isoler, se concentrer ou s'isoler afin que le copain ou le voisin ne copie pas. Petite parenthèse, vous voyez que j'ai mis le mot cache sur une installation qui est marron, que j'ai fabriquée avec des calendriers. Ces caches sont en accès libre dans la classe. Ils sont souvent utilisés alors soit par les élèves eux-mêmes à leur demande, soit à mon initiative pour permettre à certains élèves de mieux se concentrer quand on est en phase d'exercice et de travail. Certains élèves donc ont un iPad, là je l'ai illustré par la flèche rouge, mais n'ont pas de casque. Donc s'ils n'ont pas de casque, ils ne sont pas en dictée. En fait, ils sont en correction autonome d'exercice. Donc, je vous ai expliqué que pendant les dictées, les autres élèves sont en exercice d'orthographe. Donc, c'est le cas pour cet élève-là. Comme il a fini ses exercices, il est autorisé à aller chercher un iPad pour s'auto-corriger. Tous les exercices en maths et en français sont en ligne, notamment pour les corrections. Comme ça, ils peuvent avoir un retour immédiat sur leur travail. Alors, petite anecdote, cette année, j'ai une élève qui est arrivée en classe avec un bandage. Alors, ce n'était pas forcément très handicapant, mais elle ne pouvait pas écrire, tout au moins pas faire le geste d'écriture avec son poignet, ça l'a gênée énormément. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, on est en dictée, je vais faire une dictée à l'adulte, pas de problème. Et puis, je lui ai demandé si le fait de taper sur des touches la dérangeait, et alors, absolument pas. Du coup, elle a pu faire également sa dictée en autonomie. Donc, elle avait droit expressément à deux iPads, un pour écouter la dictée et l'autre pour écrire le texte de la dictée dans le traitement de texte, dans lequel j'avais évidemment enlevé la correction automatique d'orthographe pour qu'elle puisse faire sa dictée tranquillement. Alors, le pourquoi je suis passée à cette pratique de dictée en autonomie avec les iPads. Alors non pas que je me suis forcée à utiliser les iPads à toutes les sauces dans ma classe, mais le fait est que, comme beaucoup d'enseignants, je faisais mes dictées classe entière. Je dictais, je redictais, je revenais en arrière, etc. Et évidemment, tout le monde suivait globalement, sauf un ou deux ou, qui étaient un peu plus longs, lents, mais ça allait. Et puis une année un peu plus particulière, j'ai eu, je ne sais plus, mais trois ou quatre élèves qui étaient vraiment dyslexiques. Donc, représentés par les étoiles bleues. Et puis à peu près deux autres qui n'étaient pas dyslexiques, mais pour lesquels je devais avoir une attention particulière en orthographe. Et enfin, un élève représenté par l'étoile jaune qui était particulièrement lent et auquel évidemment je devais faire attention. Donc mes dictées classe entière devenaient un peu
compliqué, en tout cas pour moi, pour les élèves aussi. Alors évidemment, personne ne se plaignait, mais j'ai réfléchi à un moyen par lequel je pouvais mieux aider ces élèves. Et je me suis dit, ben alors pourquoi ne pas utiliser une dictée enregistrée? Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai enregistré mes dictées. Seuls mes élèves ayant un besoin particulier avaient accès à l'iPad et au casque. Et les autres, classe entière, ben je continuais ma pratique d'avant de dictée à tout le monde. Alors évidemment, tout le monde était en dictée à ce moment-là. Autant ceux à qui je dictais que ceux qui étaient en autonomie avec le casque. Et puis ensuite, j'ai fait un retour sur cette séance et ceux qui avaient le casque m'ont dit que, évidemment, ça les avait aidés. Enfin, évidemment, ce n'était pas gagné pour moi, mais je voulais en avoir la certitude de par mes élèves. Mais qu'en fait, le fait que je dicte aussi au reste de la classe les gênait, entre guillemets, bien sûr, dans le sens où ils m'entendaient à la fois dans le casque et puis ils m'entendaient aussi en vrai. Donc, pour pallier à ce problème que je pouvais évidemment entendre, la séance d'après, j'ai passé tout le monde en dictée en autonomie. Alors le tout le monde en question était ravi parce que ceux à qui je dictais de manière traditionnelle avaient un petit peu lorgné sur les copains qui eux avaient la tablette et le casque. Donc là, tout le monde avait la même chose. Et le fait est que ça s'est tellement bien passé que depuis ce jour, je ne suis jamais revenue en arrière et chacun fait sa dictée à son rythme quand il a terminé. Eh bien, il enlève le casque, il prend l'iPad et il le passe au voisin de devant, derrière ou d'à côté qui n'est pas en dictée. Et ainsi, de cette manière-là, pendant une bonne heure, il y a un calme vraiment royal en classe. Alors, le royal, hein, dans le sens où ça aide vraiment chaque élève à se concentrer à la fois sur la dictée, les exercices d'orthographe qu'ils font. Et ça se passe très bien, je n'interviens absolument pas. Et au fur et à mesure, les iPads se passent de l'un à l'autre. Puis après, ils vont se ranger tout seuls, entre guillemets, dans la pile d'iPad et les casques dans les boîtes de casques. Voilà, donc voilà, je vous montre ma boîte avec les casques. Et puis, une élève qui est en train de certainement remettre la dictée à un endroit en arrière pour la réécouter. Donc, par le petit trait en haut, c'est sa manière que le logiciel propose pour réguler la dictée. Voilà une autre vue d'ensemble donc de ma classe, car depuis évidemment j'ai changé mes tables de place parce que je travaille également d'une autre manière. Et puis sur la photo de droite, vous voyez donc les dictées en autonomie, les exercices d'orthographe avec cette fois-ci le blend. Alors de quoi avons-nous besoin pour cela? Côté enseignant, bah, évidemment il faut le texte de votre dictée. Ensuite, il faut une application pour s'enregistrer. Donc, ça peut être une application audio. Sur les téléphones portables ou les tablettes, il y a multiples applications. Moi, j'utilise Adobe Spark Video qui me permet de faire des petites vidéos enregistrées et qui permet, donc, je vous mets tablette ou ordinateur parce que cette application, ben voilà, est présente sur tablette, alors à la fois sur tablette Apple mais également Android. Et également, c'est un site en ligne, donc je peux travailler sur l'ordinateur si besoin. Côté élève, chaque élève aura besoin d'une tablette et d'un casque. Et puis, bien sûr, pour écrire son cahier du jour, si c'est là que les dictées se font, ou une feuille. Moi, je suis passée en feuille, plus pratique à transporter. Alors, comment réaliser une dictée enregistrée? Donc premièrement, ben justement l'enregistrer, cette dictée sur une application. Donc moi j'utilise Adobe Spark Video. Vous pouvez peut-être utiliser un autre logiciel ou une autre application. Il faudra stocker en ligne le fichier qui va être généré ou alors il est déjà stocké dans l'application, c'est une autre possibilité. Ensuite, il va falloir côté élève créer le moyen par lequel ils vont retrouver votre dictée. Donc soit en faisant un QR code qui sera flashé par une tablette, ou alors en mettant en ligne la dictée, ce qui est mon cas. Moi, j'ai le site internet des CM1 et je mets en ligne. Évidemment, vous faites un petit test avant pour voir si tout se passe bien. Donc enregistrez votre dictée. Alors j'utilise Adobe Spark Video qui est à la fois présent sur tablette, donc c'est une application, mais également je peux l'avoir en ligne sur un ordinateur. Donc selon l'endroit où je me trouve ou le matériel que j'ai à disposition, j'utilise la tablette ou l'ordinateur. Donc brièvement, à quoi ressemble cette application? Je vous ai mis un petit extrait
d'une page d'enregistrement. Donc ça se présente comme un fichier PowerPoint avec plusieurs diapositives à la suite. Donc sur une diapositive, je peux ajouter une photo, ce qui est très souvent le cas, et uniquement ça pour les dictées enregistrées. Donc je mets une photo en lien avec le texte de la dictée, comme ça c'est plus agréable pour les élèves. Et en bas, donc dans l'icône orange, il y a un petit micro, donc j'appuie dessus pour m'enregistrer. Une fois que c'est terminé, il ne faut pas oublier soit d'exporter ou de partager votre fichier vidéo ou audio ainsi créé. Dans Adobe Spark Video, moi je vais le partager, mais dans d'autres logiciels ou applications, vous pourrez peut-être avoir à l'exporter pour l'avoir sous un format MP4 si c'est une vidéo ou MP3 si c'est un fichier audio. Évidemment, il faudra stocker donc en ligne votre fichier. Alors, oui, le stockage, c'est ce qui va faire l'interface entre votre travail généré et l'élève. Donc, je vous ai mis plusieurs plateformes de stockage. Vous avez YouTube, Google Drive, Dropbox. Je vous ai remis l'icône d'Adobe Spark Video parce que cette application permet également de stocker en ligne le travail effectué. Alors, que l'on utilise un QR code ou un lien hypertexte pour retrouver la dictée, il faudra dans les deux cas rechercher le lien de ce document qui va être stocké donc sur Internet. Alors, si votre document est stocké sur par exemple Google Drive, ça doit certainement marcher avec Dropbox ou YouTube, il faudra activer dans le cas de Google Drive, vous allez sur votre document, clic droit. Vous avez toute une panoplie de petits menus. Et là, vous avez le menu « Obtenir le lien partageable ». Si vous êtes dans une application, un logiciel, donc j'ai pris l'exemple d'Adobe Spark Video, dans mon cas, une fois que j'ai fini d'enregistrer ma dictée, je clique sur la petite icône « Partager ». Et dans les deux cas, on obtient le lien partageable, donc l'URL, qui va nous conduire à ce document. Une fois que cette URL est obtenue, vous la copiez. Et vous allez la coller. Alors, si vous voulez faire un QR code, vous allez aller dans un logiciel de génération de QR code en ligne, gratuit. Il y en a plein sur le net. Vous tapez ça dans Google. Là, celui que j'utilise souvent, c'est le premier de la liste, c'est souvent celui d'Unitag qui marche très bien. Donc, vous voyez que j'ai l'interface de création d'un QR code. Je clique sur URL parce que je veux en flashant le QR code, ça m'envoie sur une URL, sur un lien hypertexte, que je colle, donc celui que j'ai copié, mon lien hypertexte récupéré précédemment, je vais le coller dans l'endroit approprié, qui est là, identifié par une flèche bleue. Et ensuite, je vais cliquer sur le petit bouton vert, créer un QR code, ce qui va s'afficher dans ce que j'ai encadré en jaune sur la droite de votre écran. Votre QR code va se générer, donc il va devenir non pas transparent, mais vraiment plus net. Et vous pouvez avoir une action, vous voyez en bas, sur la couleur ou sur le logo. Bon, en général, moi je les garde en noir et blanc carré, ça va très bien. Si vous avez un lien hypertexte à générer, alors vous allez aller sur votre logiciel de création de site, donc dans mon cas c'est WordPress. Je vais sélectionner, vous voyez le petit encadré rouge, le texte sur lequel je veux coller mon lien hypertexte. Là, ce sera dicté 8, le ski neige. Je sélectionne l'icône lien hypertexte entouré. Donc, c'est un petit maillon, des petites chaînes, des maillons de chaîne les uns dans les autres. Et je colle mon lien hypertexte précédemment récupéré. Ainsi, quand mes élèves iront côté site internet, donc en ligne, ils auront cliqué avec donc l'icône de la petite main sur dictée 8 et la dictée s'affichera. Dans les deux cas, voilà ce que vous aurez, la dictée s'affichera en ligne, que ce soit un fichier audio ou vidéo. Et donc le petit triangle sur le rond blanc indique que c'est prêt à être lu. N'oubliez pas de faire un test comme si vous étiez avec une tablette, votre casque, prêt à faire la dictée. Donc soit vous flashez le QR code avec la tablette, soit vous allez sur le site parce que vous connaissez l'adresse du site où vous avez un raccourci sur votre tablette, ce que mes élèves ont, une icône raccourci du site, ils vont dessus. Après, ils savent qu'il faut aller dans le menu français, puis le menu des dictées et c'est parti. Voilà, cette vidéo d'échange de pratique sur les dictées en autonomie est terminée et peut-être vous aura-t-elle donné
des idées.